Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Malgré les nombreux efforts de paix consentis, le Parlement libyen a encore rejeté une liste de ministres pour former un gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj. Selon les termes de l'accord des Nations Unies signé à Soukaya, au Maroc, au mois de décembre dernier, El-Sarraj avait pour tâche de former un gouvernement d'union nationale afin d'instaurer définitivement le processus de paix dans un pays toujours en proie aux troubles. Il s'agit d'un autre revers sur le chemin de la paix en Libye. Le Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, a rejeté le gouvernement d'union nationale fraîchement formé. Le chiffre de 32 ministres semble trop conséquent pour un gouvernement pauvre n'ayant pas l'assise financière nécessaire en raison des différentes contraintes liées à la chute de la production du pétrole. Il s'agit par ailleurs d'un gouvernement formé en fonction des alliances politiques et non sur la base de la compétence de ses membres. Ce qui, je pense, apportera encore plus de chaos en Libye. Nous demandons toujours un gouvernement d'union nationale puissant, qui serait composé de seulement 15 ministres légitimes. La Libye est divisée entre deux parlements en son sein depuis la mi-2014. Une assemblée islamiste à Tripoli coexiste en effet à côté du parlement de Tobrouk, élu et reconnu par la communauté internationale. Les luttes internes ont conduit à plus de 3 000 morts en seulement un an. L'accord des Nations Unies négocié à Soukhayrat au Maroc entendait réunir les deux entités sous l'égide d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par l'homme d'affaires influent Fayez El-Sarraj. Ce nouveau gouvernement avait pour tâche de créer les conditions de paix durable entre les différentes factions et à intensifier la lutte contre le groupe État islamique. Cependant, la formation d'une telle coalition demeure une mission impossible dans le pays toujours plongé dans le chaos. Les seuls vainqueurs de cette grande complexité politique sont les différents groupes terroristes qui ne cessent de gagner du terrain partout en Libye. Malheureusement, nos politiciens sous-estiment encore largement la situation désespérée de notre peuple. Ils préfèrent penser à leurs propres intérêts personnels plutôt que de se soucier du bien-être collectif. À aucun moment ces dernières années, ils n'ont été capables d'affronter les réels dangers qui menacent la Libye. Et ils permettent aux puissances étrangères de s'ingérer sans la moindre difficulté dans nos propres affaires internes. L'organisation État islamique a rapidement gagné du terrain dans le pays d'Afrique du Nord en profitant largement du chaos politique qui y règne. Les groupes terroristes envisagent également d'infiltrer les autres pays voisins depuis leur base libyenne. La communauté internationale attend toujours la formation d'un gouvernement d'union nationale qui permettra à terme une intervention militaire coordonnée contre les positions de l'État islamique en Libye. Le leader de l'opposition sud-soudanaise, Riek Machar, est en Ouganda où il discute avec le président Museveni de la paix dans son pays. Riek Machar a demandé au président ougandais d'intervenir pour faire respecter l'accord de paix au Soudan du Sud. Riek Machar a demandé au président Museveni de l'aider à convaincre le président sud-soudanais, Salva Kiir, d'appliquer l'accord de paix. Le président ougandais, Yoweri Museveni, est un proche allié du président sud-soudanais Salva Kiir. Museveni a joué un rôle central dans le processus de paix au Soudan du Sud. L'armée ougandaise est allée au Soudan du Sud pour se battre aux côtés de l'armée sud-soudanaise quand la guerre civile a débuté en décembre 2014. Ses soldats se sont depuis retirés. Vous vous rappelez que quand vous avez signé le 9 août, il a fallu 9 jours au président Salva pour apposer sa signature sur l'accord. Le président Museveni avait joué un rôle très important pour le persuader de signer. Donc nous pensons que cette fois-ci, le président Museveni devrait venir pour nous aider. Les deux leaders ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le nombre d'États qui seront créés, ce qui, selon Riek Machar, est une pierre d'achoppement dans la formation d'un gouvernement d'unité. Le débat sur les 28 États est pour nous hors sujet car l'accord de paix parle seulement de 10 États. Lors des négociations, nous étions ceux qui avaient dit que nous voulions que plus d'États soient créés. Mais comme le gouvernement ne le voulait pas, comme les leaders de l'IJAD nous ont opposé un refus, nous devons mettre en place l'accord dans un esprit unilatéral et ne pas créer plus d'États. Le président Salva Kiir a refusé d'abandonner le plan de création de 28 États, car il y espérait qu'un plus grand nombre d'unités administratives permet de rapprocher les services publics de la population.
Plusieurs accords de paix ont été signés au Soudan du Sud, mais violés. Et Salva Kiir et Riek Machar s'accusent l'un l'autre d'en être responsables. Un communiqué de l'Ouganda indique que le président Museveni a donné son accord pour garantir le retour de la paix au Soudan du Sud. Les experts maritimes internationaux avertissent que les bateaux voyageant dans les eaux au large de la côte somalienne font face à un risque accru des actes de piraterie cette année. Les autorités somaliennes attribuent la reprise des actes de piraterie à la pêche illégale. Après des années d'efforts coordonnés pour combattre les actes de piraterie le long de la côte somalienne, les experts préviennent que les bandits de la mer pourraient faire leur retour. Et parmi les raisons de ce retour, l'instabilité politique dans les secteurs qui autrefois servaient de base aux pirates. Les autorités dans ces secteurs disent maintenant que les pirates avec des capacités techniques pourraient bientôt agir au large malgré la présence d'une importante force d'opération de la marine de l'Union européenne le long de la côte somalienne. Notre côte est trop longue et nous avons besoin d'avions qui les survolent pour la surveiller. Nous ne possédons pas non plus de bonnes communications. Il y a beaucoup de bateaux européens occidentaux, mais ils disent toujours qu'ils n'ont pas l'autorité pour capturer les pêcheurs illégaux. Ils disent que leur mandat est de capturer seulement les pirates. Les autorités ici, dans l'état de Puntland, combattent depuis des années la piraterie. Leur force maritime ne dispose pas de fonds suffisants et n'est pas assez formée. Elle possède quelques bateaux et n'a eu du succès qu'en traitant avec les chalutiers étrangers. La piraterie est le résultat d'un manque de respect des lois. Mais n'oublions pas la cause principale, les chalutiers de pêche illégaux. Ils privent la communauté des pêcheurs locaux de sa seule source de revenus. La communauté internationale n'est concernée uniquement que si un bateau est attaqué. Mais la seule manière de gagner cette guerre, c'est de s'occuper de la pêche illégale. Passons dans le nord-est du Nigeria avec le thème de l'accès à l'éducation. C'est un grand défi dans la région depuis que l'insurrection de Boko Haram a spécifiquement ciblé l'éducation. Voici un camp pour déplacer dans le nord-est du Nigeria et on y donne des cours. Cela fait partie de la solution temporaire du président Muhammadu Buhari pour combler l'écart du niveau d'éducation dans la région. De nombreux enfants ici n'ont pas été à l'école depuis des années à cause de Boko Haram. Les militants sont connus pour faire des attaques dans les écoles et enlever des milliers d'enfants. Ils ont ciblé les enseignants et démoli les établissements. Ces écoles mobiles peuvent donc être considérées comme un lien vital à l'éducation. Elles sont en place depuis quelques mois. Depuis que les élèves ont commencé à prendre des cours ici, nous travaillons dur pour transmettre les connaissances. Nous voyons leurs capacités intellectuelles et la plupart d'entre eux travaillent de très bonne manière. Ils apprennent vraiment et nous sommes contents de cela. L'un des défis majeurs, c'est la nourriture. Parfois, elle arrive en retard et cela n'est pas bon pour les enfants, mais pour le matériel, il est fourni correctement et nous en sommes satisfaits. Le niveau d'éducation est aussi un défi, même si le programme ici n'est pas différent du reste du pays. Mais cela est compréhensible dans une région où il est estimé que près de 40% des enfants âgés entre 6 et 11 ans n'ont pas accès aux écoles. Dans l'est de l'Afrique, la question du paiement des visas suscite la controverse. Le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont récemment signé un accord de visa touristique commun et ces trois pays ont établi un prix unique. Alors que l'Ouganda applique déjà cette mesure, les deux autres pays ne l'ont pas encore fait. Le tourisme a toujours été important pour l'Est africain. L'accord conclu entre l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda permet à un voyageur de n'utiliser qu'un seul visa pour visiter ces trois pays pour un coût de 100 $. L'application de cette mesure par l'Ouganda signifie que son visa est maintenant plus cher que celui offert par les deux autres partenaires. L'Ouganda craint donc une chute de fréquentation touristique. Nous avons accepté que nous, les pays d'Afrique de l'Est, ayons un visa commun d'une valeur de 100 $. Ici, le secteur privé estime que nous devrions avoir notre propre visa de tourisme. Ainsi, les touristes pourraient venir ici directement. Tous les touristes vont dans les autres pays et nous en accueillons moins. Depuis l'an dernier, le secteur touristique ougandais est en difficulté. Kampala a donc décidé d'organiser une campagne de promotion pour favoriser la venue des visiteurs.
L'Ouganda espérait que le visa touristique unique apporte un nouveau souffle, mais les professionnels du secteur estiment que davantage doit être fait. S'il appartient au touriste de choisir dans quel pays il veut se rendre, alors c'est à nous de nous mettre en avant pour devenir la destination préférée de ce touriste pour qu'il vienne. Le visa touristique unique a vu le jour en janvier 2014 au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. S'ils souhaitent visiter les trois pays, les touristes doivent payer 100$ lors de leur arrivée. L'accord prévoit d'ailleurs que les revenus soient partagés entre les pays signataires. À ce jour, nul ne connaît la date à laquelle le Kenya et le Rwanda appliqueront leur système de visa unique. Mais dans l'attente, nombreux sont ceux qui en Ouganda affirment que les touristes perdront patience et décideront de se rendre dans les pays les moins chers. Les occupants des espaces commerciaux ont été les plus touchés par la dépréciation de la devise ougandaise, alors que les propriétaires préfèrent encaisser en devise étrangère. De nombreux bâtiments de la capitale ougandaise de Kampala se tournent vers les dollars quand les fluctuations de la devise locale commencent à toucher les lignes rouges. Le secteur immobilier en Ouganda a connu ces dernières années une croissance lente mais régulière. Cependant, les bâtiments commerciaux continuent de pousser alors que la demande est en chute. Le secteur immobilier maintient ses transactions en devises étrangères et cela influence les tendances liées à l'occupation des espaces. Vous prévoyez de louer en shilling ougandais, puis vient la fin du mois et le dollar a augmenté de près de 200 shillings, voire même 500 shillings. Donc pour les commerçants, ce n'est pas pratique. Les charges locatives des locaux commerciaux dans le quartier des affaires varient entre 18 et 23 dollars par mètre carré. La location moyenne d'un espace commercial affecte déjà les principales propriétés situées dans le centre-ville. La demande pour l'espace locatif a connu une baisse, laissant les gestionnaires de propriétés coincés entre des étages vides dans des bâtiments commerciaux. Et cet excès d'espaces commerciaux mettra la pression sur des taux de location autorisant davantage d'occupation à un coût plus faible. Mais les propriétaires d'espaces commerciaux ne reculent pas et regardent ces espaces vides. Beaucoup ont revu les produits pour inclure des incitations, telles qu'un mois gratuit pour les nouveaux locataires. Et les nouveaux promoteurs ont également été contraints de baisser leurs taux en vue de garantir leurs revenus. Les lignes de crédit immobilier sur ces propriétés sont sur le long terme en termes de valeur. Et il y a également de stricts calendriers quant au paiement. Et dans ce cas, les promoteurs regardent les risques. Si l'emprunt est fait en shilling et qu'il y a des taux d'intérêt fixes, et si jamais le shilling baisse, il ne faut pas que cela affecte le calendrier des règlements. Les analystes projettent davantage de déclin concernant la demande d'espace de location au cours des prochaines semaines, alors que l'Ouganda va organiser ses élections présidentielles en février. Vous voyez certains investissements prudents, car le choix est très critique pour la survie des commerces. Donc après l'élection, nous devrions voir les affaires repartir. Et donc pour le moment, chacun devrait attendre et observer. La tendance pourrait se faire sentir plus difficilement à présent. Mais il y a des craintes que les choses pourraient empirer durant l'année. Et alors que le shilling pourrait perdre davantage face au dollar, le pire de l'industrie appartient quand même au passé. Le café Touba est vendu partout au Sénégal, dans les rues, sur les marchés et même lors des cérémonies religieuses. L'appétit croissant pour la boisson faite de poivre guinéen ou de poivre noir africain excite non seulement les papilles gustatives, mais elle crée aussi des occasions d'affaires pour des entrepreneurs dans le pays. Reportage. Le prix d'une tasse de café Touba varie selon les emplacements, de 50 à 100 francs CFA. Et cette boisson chaude a eu un grand impact dans la vie de beaucoup de jeunes personnes au Sénégal. Nous faisons ici un café Touba de grande qualité. Chaque jour, nous faisons l'équivalent de 25 kg de café avec 8 litres par kilogramme. Je peux faire entre 120 et 160 dollars de bénéfices chaque jour. De toute façon, les affaires vont très bien et j'ai l'intention d'investir dans un autre projet rentable comme celui-ci qui emploiera plus de jeunes. Avec l'argent que je fais, je peux m'occuper de ma femme, payer les études de mes deux enfants et aussi économiser. Mais nous devons reconnaître que c'est une activité très difficile parce que la préparation du café Touba exige beaucoup de temps. Nous le faisons aussi par passion parce que c'est un endroit où la communauté se réunit.
Le célèbre café Touba est servi dans de petites tasses en plastique ou dans des verres à café. Sa consommation a augmenté au point que les ventes de café soluble ont diminué dans plusieurs régions. Il s'étend maintenant à l'extérieur du pays. En Guinée-Bissau, par exemple, le café Touba devient lentement la boisson la plus populaire du pays. Les cafés Touba dans la capitale du Sénégal, Dakar, sont ouverts jour et nuit. La boisson est préparée en utilisant un filtre tout à fait semblable au café ordinaire. Un peu de sucre est souvent ajouté. Tafa Dieng, un jeune vendeur sénégalais, se réveille tous les jours avant l'aube pour préparer le café et servir ses premiers clients qui attendent déjà à 6 heures du matin. Je me réveille tôt puisque le processus de préparation est long. C'est la même chose avec le mélange du café jusqu'au moment où vient le temps d'ajouter le sucre. Le choix du café est aussi important. La couleur sombre détermine la qualité du produit. Pour le filtrer, vous devez aussi avoir des accessoires spécifiques parce que les résidus doivent être enlevés. J'essaie toujours de respecter les goûts de mes clients. La production de café Touba est une importante source d'activité économique et de création d'emplois au Sénégal. Mis en sac, le prix du café Touba en poudre s'échelonne de 6 à 8 dollars le kilo. La plupart de nos clients sont des vendeurs de café Touba. Ils viennent ici chaque jour pour acheter des sacs de café moulu. D'autres personnes viennent aussi ici pour acheter et revendre à l'étranger. Le seul problème que nous avons pendant le processus, c'est que nous inhalons beaucoup de fumée toute la journée, sans parler du bruit des machines, mais nous remercions Dieu parce que les affaires vont bien. Le café Touba possède aussi une dimension spirituelle au Sénégal, puisqu'il tient son nom de la ville sainte de Touba. Le poivre noir avec lequel le café est préparé permettrait aussi de soigner les problèmes oculaires. Il aiderait également à combattre le diabète et le cancer du foie. Trois jeunes hommes d'un des plus grands townships d'Afrique du Sud prouvent que le café haut de gamme a un brillant avenir. Le café qu'ils ont ouvert attire aussi bien les touristes que les gens du quartier. Le premier café artisanal à se trouver parmi les cabanes de tôle, les routes poussiéreuses et les magasins informels à Kayalicha, Department of Coffee, une idée de trois frères qui ont eu le courage de défier les conventions et réaliser leurs rêves. Il y a quelque chose de particulier dans ce secteur. Tout le monde fait la même chose ici. Si quelqu'un vend du poulet, tout le monde veut vendre du poulet. Alors, nous voulions faire quelque chose d'unique. C'est pour cela que nous voulions ouvrir notre café ici, parce qu'il n'y en a pas un autre dans le genre. Vous allez seulement trouver une femme qui vend un peu de café avec un thermos. Ils ont d'abord voulu enlever l'étiquette de luxe aux produits et ont voulu changer la perception de la culture entourant la consommation de café. Le café que nous faisons ici, c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes allés voir ailleurs et si vous le comparez avec d'autres, c'est un café d'excellente qualité. Et même les touristes trouvent la formule irrésistible. Je viens du Congo et je voulais passer un peu de temps ici. Nous avons voulu acheter du café pour soutenir cette petite entreprise locale. Je viens d'Allemagne. On voulait simplement passer un peu de temps dans le township. J'ai pris un bon café ici et il est délicieux. Nous voulons appuyer l'économie locale. Je pense que ce que nous faisons ici fait une différence. Department of Coffee a ouvert ses portes en juillet 2012. Et les frères barista, comme on les appelle, veulent en inspirer d'autres. Parfois, c'est bien de faire votre propre truc parce que cela vous permet d'avoir une autre perspective sur l'avenir. Les autres jeunes, il faut qu'ils fassent la même chose parce que vous en voyez plusieurs qui traînent tout près d'ici et qui ne font rien. C'est pour cela qu'il faut les inspirer à lancer leur propre affaire. Ces jeunes hommes sont déterminés à convaincre les habitants du Cap, mais aussi les touristes, que leur café est un endroit idéal pour s'évader et savourer une bonne tasse de café. Maintenant, à l'Afrique du Sud, où un drame se déroule le long de la côte occidentale. Cela concerne les grands requins blancs qui sont une espèce protégée. Les moniteurs de plongée en cage avec des requins à casse-paille ont durant des années accompagné des touristes, admiré et plongé avec ces créatures des mers. Toutefois, cette activité autrefois florissante a complètement été paralysée par la disparition des requins au cours des dernières semaines.
Le grand requin blanc est l'un des plus grands prédateurs des océans par sa taille et la redoutable réputation dont il jouit l'a rendu célèbre parmi les touristes, qui sont prêts à payer le prix fort pour pouvoir plonger avec ses prédateurs. Gans Bay est le cœur de l'industrie de la plongée en cage. Mais les affaires ont été suspendues après qu'une population entière de requins ait disparu en quelques semaines, causant l'arrêt des activités. Certains experts sur les requins pensent qu'un phénomène météorologique, bien compris en Afrique du Sud, explique leur disparition et le problème pourrait s'avérer plus grave que prévu. La disparition des requins aurait pu être causée par différents et multiples facteurs. La météo est devenue plus ou moins très étrange au cours de l'année dernière. Le phénomène El Niño est certainement l'une des causes. Et pourtant, les études que nous avons menées montrent que El Niño affecte seulement les requins malades. Cette conclusion est aussi basée sur notre étude génétique. Donc, chaque changement mineur ou majeur dans l'environnement affectera la population malade d'une espèce. Ce qu'on voit à Gans Bay va se répéter. La principale activité touristique à Gans Bay sont les requins. Pratiquement tous les commerces sont d'une manière ou d'une autre en relation avec l'industrie. Michael Hudzen gère une entreprise de plongée en cage et a passé 27 ans à étudier et observer les requins. Il pense que leur disparition pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie de la ville entière. Si nous ne trouvons pas de solution à la disparition des requins, ces entreprises vont devoir fermer. Par conséquent, il y aura une perte d'emploi importante. De plus, toute la ville dépend des revenus générés par cette activité. Toutes les auberges, les fournisseurs de denrées alimentaires ainsi que les restaurants vont souffrir. La météo a été impitoyable, laissant ceux qui veulent s'aventurer en mer rentrer rapidement. Ces conditions de vent inhabituelles ont été attribuées à El Niño. Les vents frappent les côtes depuis 2 semaines et demie et a causé la baisse des températures en mer. C'est très inquiétant. Toute l'industrie s'est arrêtée. J'ai vu de nombreux effets de El Niño venir et partir, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis convaincu que les animaux ont presque disparu. Les conséquences de la disparition des requins sont très claires dans l'industrie de la plongée. Mais ce qui n'est pas clair, c'est comment les animaux planifient de revenir, s'ils reviendront un jour. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Info. Merci de votre fidélité. Bonne suite du programme sur CCTV français.